je vais déposer ta plainte. Tu vas recevoir une plainte dans les heures qui suivent. Ça, c'est clair. À tout imbécile, tout ton tu vas utiliser ma photo pour quoi que ce soit, pour image diffamatoire. Je porte plainte contre ta putain de personne. Et toi et tes croupions de parents vont venir me supplier à pied. Oui. Trop, c'est trop. On va plus accepter ça. Autant vous ne voulez plus accepter le laisser aller là. Autant on va plus accepter le laisser aller. Que certaines personnes disent oui, Makoso, parce que tu comptes le phénomène des Wubi en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y a des Wubi en France, en Europe, qui ont décidé de porter plainte contre toi. Moi aussi, je porte plainte contre eux en Côte d'Ivoire. Non, Makoso, si tu continues de parler, on va t'interdire d'aller en Europe. Vous croyez que l'Europe, là, c'est le paradis? Ou bien vous croyez que moi je vais en Europe parce que me chercher? C'est parce que je suis millionnaire que je perds mon billet et je vais en Europe donner mon argent aux Européens puis je rentre chez moi. Donc il faudrait que cette forme de chantage au comportement anustral, les létales, ou les fassiez sur certains. Moi, il n'y a personne qui peut faire des moyens de pression sur moi. Hein. Voilà. Il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Beaucoup de jeunes ont commencé à devenir des whoopies parce qu'ils sont misérables et pauvres. Et voyant des whoopies qui roulent dans des voitures, ils se disent que oui, je. Donc ils cherchent de la facilité. C'est la pauvreté, la misère, le fainéantisme qui les amène comme des bouclés à se comporter et à rentrer dans ce phénomène-là. Nous disons non à la propagande de ce déshonneur pour nos valeurs culturelles dans notre pays. Chaque continent a ses règles, chaque continent a son éducation. La France, ni l'Allemagne, ni la Belgique ne peut aller imposer à la Russie d'accepter le mariage pour tous. Le président de la Russie va gifler le président d'un pays européen qui viendra lui présenter ou l'imposer cela. Aucun président européen, même américain, ne peut arriver en Chine et demander à la Chine d'accepter et de reconnaître le mariage pour tous. Ils vont les gifler normalement. Ils ne peuvent pas l'imposer à l'Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas l'imposer au Qatar. Pourquoi c'est nous? On va venir nous imposer ce que nos valeurs ancestrales refusent. Si vous voulez accepter cela et vous voulez qu'on accepte votre abomination culturelle, donc acceptez aussi que ceux qui sont des polygames se marient en France et que chaque personne puisse avoir deux femmes. En Belgique, deux femmes. Ah non, quand c'est vous, oh non, ça c'est un manque de respect, ce n'est pas dans nos valeurs. Nous sommes des Européens, nous sommes des Africains. Et le Wubia et le comportement anustral ne se propage pas dans notre pays. Et si c'est pour cela que des bâtards disent qu'ils vont aller porter plainte, je vous demande pardon. Multipliez la plainte par 5, accompagné de vos mères qu'on compte mettre encore dessus. Que Dieu vous maudisse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.